Bon, tu as l'âge maintenant d'avoir ce carnet. J'en avais un moi aussi. Et ça a été une des choses les plus utiles de ma vie. Merci. Ça va? Bah ouais, papa, il vient de m'offrir un carnet vide. Une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Ah! Itsy bitsy tiny oui, tout petit petit qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy tiny oui. Bikini rouge et jaune à petits pois. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude. Niagara, dévorez-moi des yeux, et je vais être tenue pour que je m'habitue, hop à peu. Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polixène que ma cousine a choisi. Et celui d'Aminte que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends pas hein, que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Mais... Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Oh, je me lasse de vous avoir sur les bras et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme?